Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci dans un petit lac d'à peine 3 hectares, bien peuplé en carpe, où je pêche aussi assez souvent les zones encombrées, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc je pêche toujours avec deux cannes, c'est toujours de la pêche rapide. J'ai une canne qui est positionnée donc dans ce petit buisson là-bas en dessous, il y a pas mal d'eau là. C'est généralement ici que j'ai le plus de départ. Et une autre canne en tête chercheuse. Donc là, sur ma petite vidéo, donc on voit mes deux cannes. J'ai ma canne de droite donc qui est positionnée dans le fameux buisson. Donc c'est toujours là que ça touche le plus. Et comme on peut voir, le sillon est tout le temps en train de s'agiter. Les blancs sont sur le coup. Ils n'ont pas arrêté. D'ailleurs, cette pêche-là, ça n'a pas arrêté sans arrêt. Ça tapait, ça tapait. D'ailleurs, j'ai fait un carassin d'un kilo. Et je vois souvent, ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils enlèvent vite leur canne, dès que ça tape un peu, hop, ils veulent ferrer, ils veulent enlever, ils remettent et ils font, pour moi, ils font du remue-ménage sur le coup. Moi, ça fait plusieurs années ce que je fais, je laisse taper, tant que c'est que léger, comme ça, je laisse taper, je laisse taper. Des fois, ça dure un quart d'heure et bien souvent, très souvent, j'ai un départ. Et ça, ça m'est arrivé plein, plein, plein de fois. Et d'ailleurs, cette fois-ci, regardez. Voilà, le rod-poids est allé à l'eau, mais bon, il s'est exactement passé ce qui m'arrive assez souvent. Les blancs tapent, tapent, ils essayent de prendre la bouillette, ça énerve les carpes qui sont autour. Et au bout d'un moment, elles prennent la bouillette, elles partent. Voilà, c'était la petite commune là qui est partie, commune de, ouais, c'est un petit poisson, hein, 3 kilos, bien nerveux, bien sympa. Ça fait super plaisir, donc voilà. Ça, je voulais juste vous en parler. C'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est important. Il faut laisser taper un peu les blancs. Ça excite les carpes autour. Donc voilà. C'est ma petite technique à moi. Ne pas tirer les cannes trop vite quand les blancs sont sur le coup. Donc voilà, cette pêche, c'était quelques heures le matin. Donc voilà, j'ai pêché en petit lac parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de genoux, donc il faut que la voiture soit à côté. Et voilà, j'ai fait donc deux carpes, un troisième départ, j'ai décroché, bon, ça arrive de temps en temps quand on pêche les zones encombrées, et puis un carassin. Donc une pêche sympathique. Voilà. J'ai changé un peu le système de vidéo, j'espère que ça va vous plaire comme ça. Explications et vidéos complètement à part. J'ai une autre vidéo en préparation, donc je vous dis à plus au bord de l'eau. Allez, salut!